J'ai eu un entretien avec mon frère, mon homologue, son excellence le ministre Wang Yi. On a abordé le sujet qui bénéficie les deux parties, comment on peut promouvoir la coopération en matière économique entre la Chine et l'Afrique en général et entre la Chine et la Guinée équatoriale en particulier. On a abordé le sujet au niveau économique, au niveau politique, la réforme du Conseil de sécurité. Aussi, on a abordé la situation de la crise de la pandémie de la COVID-19. Nous remercions beaucoup à la Chine pour avoir donné la vaccine au continent africain. Et la Guinée équatoriale était le premier pays qui avait reçu la vaccine chinoise, c'est 300 000 doses. Maintenant, on va recevoir encore 400 000 doses pour la population de la Guinée équatoriale. Donc, dans cet aspect, on a remercié le gouvernement chinois pour soutenir l'économie africaine, aussi de la Guinée équatoriale, et pour promouvoir la coopération en relation d'amitié et comme on peut diversifier notre économie pour les bénéfices mutuels. Au niveau de la relation entre Guinée équatoriale et la Chine, surtout au niveau international, il y a un soutien mutuel. La Chine a soutenu beaucoup l'Afrique, aussi l'Afrique va soutenir aussi la Chine. La Guinée équatoriale soutient la Chine, une seule Chine, avec deux systèmes. Donc, la Chine pour nous c'est un partenaire très important et on va le soutenir dans le bilatéral et aussi au niveau multilatéral. Non, l'évaluation au niveau de la 8e réunion de FOCAC ici au Sénégal, c'est positif. C'est très positif. Je voudrais remercier le Sénégal, aussi la coopération de la Chine, parce que nous sommes ici pour promouvoir la coopération avec la Chine. Et le Sénégal, il a fait beaucoup de travail pour héberger cette réunion. Aussi, la Chine a beaucoup travaillé. La réunion, c'est très positif. Maintenant, on va adopter la déclaration de Dakar, que tous les aspects dans la déclaration se sont positifs. On a écouté hier le discours du président Xi Jinping, qui était très positif au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Donc nous sommes d'évaluation de cette réunion, 8e réunion ministérielle de FOCAC, c'est très positif.